Good morning, ladies and gentlemen, and bonjour welcome. Bonjour les amis. Bonjour les amis dans le public. Mesdames et messieurs, bienvenue ici pour la deuxième journée de compétition de cette édition 2013 du Bocuse d'Or, 14e édition ici à Lyon, sur l'espace Paul Bocuse, où vont se voir affronter 12 nations en compétition pour cette dernière journée de finale. Ladies and gentlemen, welcome to the final day here at the Bocuse d'Or 2013, the 14th edition. Bright and early this morning, the chef started at 8 a.m. and we've got 12 nations that are competing with us here again today. Alors aujourd'hui, il y a des supporters, des fans déchaînés. Regardez du côté du Danemark. Good morning, Denmark. On va dire bonjour aux Italiens. Bonjour l'Italie. Hello, Italy. On va dire bonjour aux Norvégiens. Bonjour les Norvégiens. Je vois également là-haut les Suisses. Salut les Suisses! How did you get all the way up there? How come you're not on the ground here? Do I see anybody from UK? Morning, UK! A lot of supporters coming from the States to United States. Hello, USA! Good morning! Je vois aussi des Japonais. Bonjour le Japon! Oh, look at Japan on the corner! Good morning! Et il me semble qu'il manque que les Français, je ne les vois pas. Ah oui, ils sont là! And good morning, France! Oui, mesdames et messieurs, c'est ici un petit peu la folie, déjà la folie, avais-je envie de dire, sur cet espace Paul Bocuse où se déroule cette dernière journée de compétition du Bocuse d'Or édition 2013. Les supporters sont venus de 24 nations qui supportent leurs équipes, qui vont aujourd'hui se livrer combat. On va tout de suite, dans un instant, Angela, please. Well, I don't think that many people can hear us at this point of time, but I also wanted to say, hello, Sri Lanka! Sri Lanka! Welcome! Ils sont là, the first time to come and join us at the Bocuse d'Or. Welcome and hello! Avant de faire la visite des box, comme nous en avons l'habitude avec Angela ce matin, pour vous présenter les différentes équipes en lice, je vais demander à notre conseiller technique de luxe qui travaille avec nous de bien vouloir rentrer sur scène. J'ai nommé Monsieur Régis Marcon, le grand chef. Ladies and gentlemen, please welcome out Regis Marcon, who is our resident expert to talk to us about the techniques as we go and we visit all of the teams. He is a Bocuse d'Or winner from here and no stranger, part of the organizing committee as well. Alors Régis, c'est déjà la folie dans les tribunes et ça va ne faire qu'augmenter tout au long de la journée. On le voit, des supporters très attentifs à ce qui se passe dans les box. Toi aussi, tu es extrêmement attentif à ce qui se passe dans les box, sur les points de règlement, mais surtout sur la façon de procéder, la façon de cuisiner de chacune des nations présentes, avec des points de règlement qui ont changé cette année. 2013 va être un réel changement de ce concours. Le premier changement, je crois, c'est un deuxième jury qui va être à même de noter toute l'organisation des candidats dans les box. Et puis, on en a parlé hier encore, c'est la bonne utilisation des produits. Et le réel changement de ce Bocuse d'Or, on a bien sûr le plat traditionnel qu'on n'abandonnera jamais, mais bien sûr le poisson qui sera servi sur assiette, avec une typicité puisque une des garnitures du poisson sera la garniture typique du pays. Ça, c'est le point important de ce règlement. C'est la possibilité pour les nations en présence, extrêmement différentes évidemment sur le plan culturel et culinaire, d'exprimer leur typicité. Oui, parce que le Bocuse d'Or, c'est quoi ? C'est ce rayonnement à travers le monde. Et on veut donner la chance à tous les pays de pouvoir s'exprimer avec leurs produits, leurs traditions. Okay, let me have one second. So then this year there's been some changes, and some of those changes involve how we're going to be seeing some of the food throughout the day. The changes for this year have to do with, first up, with the fish plates.
Previous years, they were given the information about the fish in advance, but this year, they only found out what kind of fish they would be serving, which is the turbo, and they found out in November. Also, with those changes, it's no longer going to be served on a platter. The fish is going to come out on individual plates so that we have more of a feel of the restaurant as opposed to having it as just our traditional Bocuse d'Or platters. Also, the chefs did not know what kind of garnishes they were going to get. They went to grocery shopping from Metro to pick out three garnishes that they'll be serving with their fish the night before they started their competition here. And one of those garnishes has to be traditional to their own countries. Voilà, merci Angela de ces précisions. Nous allons maintenant nous diriger vers le box numéro 1 afin de vous présenter les différentes équipes en présence. Let's go into kitchen number 1, the first team that started here this morning bright and early. Who's going to be leading the day for us all day long. We'll be seeing their dishes come out first. Devant les box, c'est une noria de chefs en blanc, toqués. Ils sont magnifiques, ils sont présents. Ce sont les hommes du comité d'organisation. Évidemment, ce sont les coachs des équipes. Ce sont les présidents qui figureront tout à l'heure ce jury de dégustation. Ils sont au nombre de 24 aujourd'hui, plus les présidents du jury. Mais nous les rencontrerons tout à l'heure. Commençons déjà par les équipes. Mesdames et messieurs, dans le box numéro 1, pour l'équipe du Danemark, Jeppe Foldager. Ladies and gentlemen, here in kitchen number 1, Jeppe Foldager has a little time to wave to his fans for Denmark. Alors le Danemark, donc il va nous travailler le turbo avec du homard, ça c'était prévu bien sûr, et avec une sauce hollandaise. Faut pas que j'en dise trop. Bon. Faut laisser un petit peu le mystère jusqu'à la sortie des plats. Il est bien de préciser effectivement un petit peu, mais on va regarder ça bien, on va juste se contenter de les présenter pour l'instant. Équipe du Danemark, donc J.P. Foldager et Christopher Brink, qui sont dans le box numéro 1. Ce seront les premiers qui enverront les produits. Le premier plat de poisson partira d'ici. Et vous avez peut-être vu dans l'espace des chefs des citronniers qui ont été apportés pour décorer. Ben, j'ai l'impression qu'ils ont fait leur cueillette directement dans les citronniers. Oui, ben, je crois que c'est le marché d'avant-hier. Hein, c'est ça. Rappelez que le Danemark est le dernier candidat gagnant du Bocuse d'Or. Absolument, merci de le rappeler, de le préciser. Nous avons notre président du jury qui sera là tout à l'heure, Rasmus Kofod, qui est le dernier lauréat en date. Donc l'équipe du Danemark qui est venue gonfler à bloc pour essayer de conserver le titre. So Denmark is very familiar with winning here at the Bocuse d'Or. Their president of the international jury that's sitting with us is the winner from last year for 2011, who won gold. But he's also the only chef in the world to hold 3 Bocuse medals because he has bronze, silver and gold under his belt. Régis, il y a un truc qu'on peut transmettre à nos amis qui nous regardent. Régis, dans le box numéro 1, dans le box du Danemark, ça sentait très bon. On va dire le turbo meunière, ça sentait le beurre noisette et le turbo là, ce qu'on est passé devant. Oui, parce que ces poissons aiment bien le beurre, il faut le dire, et c'est vrai que le beurre noisette en même temps ça a des parfums, et puis surtout que leur turbo va être poêlé, donc c'est un peu la sauce obligatoire, le beurre noisette qui va être mélangé d'ailleurs avec un jus de homard. Alors là, ça, j'étais en train de regarder parce que c'est à la fois pas étonnant, mais ça nous surprend. Parce que là, nous sommes sur le stand du Sri Lanka et on sait qu'ils vont utiliser beaucoup d'herbes, de parfums, etc. Et j'ai vu le candidat étaler ses tranches de turbo et mettre un petit peu de Ricard, vous voyez, un peu à la mode française. Un peu d'anis. Alors effectivement, mesdames et messieurs, dans le box numéro 2, et je vais vous demander de leur faire une ovation car ils sont venus en force, mais pas très nombreux vu la distance. L'équipe du Sri Lanka, Buddhika Samarasekara et Rajan John. For team Sri Lanka, Buddhika Samarasekara from Sri Lanka, their first time to visit us here. This is a gourd. That's a snake gourd, that's true. And we can also see, because Sri Lanka is well known for their teas, that we're going to be seeing some great teas here from Sri Lanka as well, incorporated into their dishes.
Oui, les Sri Lankais qui ont apporté trois théières en décor de leur de l'avant-scène sur le box pour bien rappeler que c'est une grande nation du thé. Le thé qui est une variété de camélia, hein, pour ceux qui ne le savent pas, puisqu'on en récolte la feuille, vous le savez, deux fois par an, les petits bourgeons qui vont donner les meilleurs thés de ces jardins d'altitude au Sri Lanka. Voilà, là, on voit la, ce qu'ils appellent la snake goat, c'est la, un peu comme le serpent. La courge serpent. La courge serpentée, qui est un légume qui est légèrement amer et qui vont apprêter en beignet, je crois. Speak about snake gourd. Yeah, it's a little bitter. Yeah. Yeah, a little bitter. These kinds of countries, you'd like to use a little bit of bitter in their food because the long cooking process really helps us sweeten that up. Oui, beaucoup de courges et de cucurbitacées ont cette petite amertume latente, hein, comme la courge serpent ici présente. C'est le cas du concombre amer, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on dégorge en général lorsqu'on les mange en crudité ces légumes, de manière à leur faire perdre et leur eau et un peu de leur amertume. Oui, puis ça permet de mieux les digérer en plus. Bien, on va passer tout de suite dans le box numéro 3. Dans le box numéro 3, je vous demande d'applaudir l'équipe d'Estonie, Heidi Pinnock et Arthur Gunnarsson. And in front of kitchen number 3 for Estonia, we have Heidi Pinnock here. On est content d'avoir une chef, hein. Ça manque un peu de femmes aujourd'hui sur le plateau. Heureusement qu'elle est là pour relever ce niveau. Ben, je crois qu'il faut qu'on fasse un effort, hein, les entraîner un peu plus. Et puis on a quand même toujours en mémoire Léa Lindster qui en même temps, ça a été une leçon un petit peu pour nous les cuisiniers cette année-là, parce qu'elle est allée vers un plat qui était plus dans la dégustation que dans la décoration. Je me rappellerai toujours cet agneau en croûte de pommes de terre, et ça avait amené du croustillant. À l'époque, il n'y avait pas ces fours aussi perfectionnés, et ça avait été un plat qui avait était très apprécié. Oui, parce qu'on parle beaucoup du décor, c'est ce qu'en perçoivent le public qui est là. Ils regardent à quoi ça ressemble. Maintenant, il faut savoir que la note de dégustation reste principale. D'ailleurs, c'est le mot d'hier à notre ami Thibaut Ujiri qu'on verra dans un instant, le mot de Paul Bocuse qui a dit « fait bon ». Voilà, « fait bon », ça veut dire « quand c'est bon », c'est toujours ce qui emporte la décision. Oui, puis ce qui est important, c'est que cette décoration, tout ce côté sophistiqué correspond vraiment au goût, parce que puis on va souvent très loin dans ce genre de concours. L'idéal, c'est d'arriver à équilibrer tout ça. Et je peux vous dire, ça fait gamberger, hein, dans les candidats. Et comment ? Surtout au moment de la préparation. Mesdames et messieurs, dans le box numéro 4, je vous demande d'applaudir l'équipe d'Australie. Ils sont là-bas, les Australiens, regardez. Ils ont traversé la moitié de la planète pour venir supporter leur équipe. Et ils sont 5, mais ils font le bruit de 40. Alors, on a perdu Angela. Hello Australia, where are Australian supporters here in kitchen number 4? Good morning. Le candidat qui travaille apparemment des une sorte de gnocchi, là, de boule de purée de pommes de terre aromatisée aux herbes. En fait, c'est une croûte de moelle à l'intérieur qui est coulante à la queue de bœuf, hein, avec l'os de moelle. Donc, on va pouvoir couper tout à l'heure, ça va être croustillant, et puis ce jus qui va aller dans l'assiette. Régis, depuis hier, puisque nous avons suivi de près ces épreuves, sous l'œil attentif du coach australien Frank Putla, qui est un membre éminent de la Bocuse Winners Academy, hein. Et on a vu beaucoup de ces candidats se servir de la moelle, hein, pour l'épreuve, pour le plat de viande. C'est un élément aromatique important, la moelle. C'est important, et c'est d'autant plus important cette année que le bœuf, qui est de très bonne qualité, qui est bien rassi, ce bœuf irlandais a une typicité qui, c'est en fait qu'il n'est pas très gras. Il est même extrêmement maigre. Il n'est pas très gras. Ça fait partie un peu des qualités d'un bœuf. Donc la moelle est très utilisée. Puis la deuxième raison, c'est que la moelle est la seule partie un peu, je dirais, grasse du bœuf qui, quand on l'a en bouche, c'est assez extraordinaire au niveau du parfum. Souvent d'ailleurs, on l'associe avec la truffe. Un petit toast avec de la truffe et de la moelle, c'est quelque chose de fabuleux. Arrête, Régis, j'ai pas petit déjeuner. Non, sois sympa. Commence pas à me donner faim. L'explication de la moelle. Bravo l'Australie. On y reviendra tout à l'heure.
Mesdames, messieurs, dans le box numéro 5, je vous demande d'encourager l'équipe d'Italie. Alfio Ghezzi et Sebastiano Conte. Alfio qui est en train de décortiquer son homard. Ces beaux homards européens. Elles sont magnifiques. On n'a plus le droit de dire breton, hein. T'es au courant. Et paraît-il. C'est... Et ils sont bien bleus, hein, on peut vous l'assurer. On les a vus au marché. C'est... Alors, là, on est vraiment dans... On voit qu'il y a des préparations de pâtes qui se préparent. La polenta sera au menu, en plus. Les raviolis, bien entendu. Est-ce qu'on aura des raviolis au homard? Ravioli homard, oui. Ah, ça, j'adore ça. J'ai peut-être lui demander de m'en garder un ça ou deux. Quelque chose. Ravioli homard, c'est le candidat suisse qui est un peu du côté italien. On y passera certainement juste après. En tout cas, courage et bonne chance à notre ami italien. Oui, ça sent bon hein, par là. Il y a un petit bouillon aromatique, un petit bouillon genre pot-au-feu là. Oui. Voilà. Oui, pourquoi, voilà. Pourquoi on aime tant le pot-au-feu, hein? Con les chipolles, hein, avec les beaux oignons blancs italiens. Voilà. Ah ouais, on le laisse travailler. C'est un pot-au-feu de paleron qui sera servi avec du réfort, d'ailleurs. Ah, j'aime ça. Ça tombe bien. Okay, I'm just going to sneak in a little bit of time before we go and visit kitchen number 6. I'd like to introduce you all. I'd like to introduce you all to a very special guest that we have here on the floor. So we have with us Gisser Goodmanson, the president from the World Association of Chef Societies. Welcome. How does it feel to be here today at the Bocuse d'Or? Absolutely fantastic. This is, you know, look up there. This is beautiful. Guys, ladies and gentlemen, let's scream for great day. Come on. Hey! What is Norway? What is the US? France? This is beautiful. They're going to be screaming all day. And once you get them screaming, then we can't have our chat. Can you tell me a little bit more about what the World Association of Chef Societies does? Yes, we do represent all the people in here. I know, it's my fault. Okay. So, merci beaucoup. Let them play. Let them have some background noise. Tell me more about the World Association of Chef Societies. We represent 10 million chefs around the world, and most of the chefs in here is our members. So, for me, this is my family. Like we say in France, la famille. La famille. Yeah, la famille. La famille. So, it's beautiful to be here. So wonderful. So now, it's wonderful to have you here, to keep coming back to the Bocuse d'Or. Can you tell us more about what the society does and how you build up the name of chefs? We work for education, we work for the future of the chefs, and we work for competitions like this, and we go around the world and we promote what actually is happening here today. Because this is the most important. This is the trend of the future is set here today. These are the chefs of the future. Thank you. Exactly. Thank you so much for joining us here, and I look forward to seeing you on the floor a little bit later as well. Thank you so much. Now let's move on and take a look into kitchen number 6 for Switzerland, for Tio Cavallotti. Thank you, Angela. Avant de passer au duplex, Karine Tessandier qui nous attend de l'autre côté du salon, je voudrais vous présenter le dernier box de cette première session de 6. Nous irons ensuite de l'autre côté. Le box numéro 6, le box de nos amis suisses. Théo Chiaravalotti et Resto Brandly. Ce sont nos deux amis suisses, Angela. Régis, une petite particularité, parce que la Suisse est un pays composite, comme le disait le coach Armin Fuchs, c'est un pays composite, c'est à la fois la Suisse francophone, italophone, germanophone, et donc ils ont toujours à cœur de présenter un peu des produits et des façons de faire régionales. On le voit, hein, parce que
les Suisses, le poisson va être accompagné avec des tagliatelle, des raviolis, des agnoletti. Donc on aura vraiment le côté italien de la Suisse. Et pour la viande, eh ben, on sera beaucoup plus du côté un peu plus français, vaudois, on va dire, là, avec la quiche vaudoise, le millefeuille de racine et les pommes fondantes. Ça promet d'être sympa, hein. Ok, Régis. Alors, on est sur un turbo grillé avec ses amis. Ah, voilà. Alors, effectivement, nos amis suisses qui ont à cœur de défendre leur chance crânement, des grands cuisiniers et qui sont emmenés par le président. Eh oui, Franck Giovannini, le second de Rochard à Crissier, qui est un sacré chef. Armin Fuchs, qui est l'entraîneur lui aussi. Ils sont bien coachés. Oui, parce que Franck avait fait médaille de bronze une année. Absolument, et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Bien, on va tout de suite continuer le temps pour moi du duplex de Sierra TV. Et ensuite, on va continuer cette visite. C'est vrai que les supporters sont extrêmement remontés, on le comprend bien. Regardez-les, ils ont rempli les gradins. Je ne sais même pas comment ça va être possible d'atteindre cet espace. Régis, comment est-ce qu'on va faire plus tard dans l'après-midi quand tout le monde va venir se bousculer dans les gradins? Ça va être une cohue monstrueuse. Ouais, il va falloir hausser un peu la voix, bien évidemment. Mais bon, je crois que chacun respecte les candidats et on aura à cœur de pouvoir expliquer quand même comment ces plats sont présentés. Et bon, je pense que le public fera preuve de patience quand on présentera les plats, de faire un tout petit peu de silence pour permettre de bien commenter les plats. Tu rêves. C'est important pour les. Rêves, Régis. Écoutez-moi, c'est important pour les candidats. C'est important parce que les plats, ils demandent à être expliqués quand ils seront présentés. Mais je sais qu'il y a quelques pays qui ont été briefés pour ça. Donc, on aura un petit peu de chance, Vincent, peut-être. Tu sais, c'est une ambiance de match de football, là. Hein. Ah, oui. C'est difficile de calmer les foules. Mais d'ailleurs, on est très heureux qu'ils soient en pleine verve. Alors, je suis avec le président de la sélection française, Emmanuel Renaud. Salut Manu. Salut. Comment ça va du côté des Français? Très bien. Jusque-là? Jusque-là, très très bien. Ah ben, c'est ce qu'il faut. Voilà, nous sommes devant le box numéro 7, le box de l'équipe de France, Thibaut Ruggieri. Et ça, commise, je disais que ça manquait de filles, bien elle est là, Julie Lumeau. Regarde ce travail, Vincent. Regarde cette dextérité en même temps. Regarde ce travail, il est en train d'éplucher les patates quand même. Ah non, il les sculpte, hein, je dirais plus qu'il les épluche, là, c'est déjà fait la pluche. Hein, la rapidité auquel il vide les carottes avec précision. Allez. Ah mais ça c'est l'école Le Nôtre, ça. Hein. Ah, ouais. Regarde, il y a M. Prochasson qui est là, qui surveille de son œil de coach le travail. Je crois que quand on travaille dans une grande cuisine ou un grand traiteur, on entourne des légumes, hein, ouais, avant d'arriver à ce niveau de maestria. Vous en avez désormais l'habitude. Nous avons notre rendez-vous quotidien avec l'espace concours, avec Vincent Ferniaud, notre Vincent national. Bonjour Vincent. Salut Karine, tu tombes pas mal. On est justement devant le box des Français, figure-toi. Ah, bah écoute, c'est parfait. Regarde, j'ai mis mon petit béret. Je me suis également munie de mon t-shirt. C'est bien, t'as tout ce qu'il faut, tous les attributs du supporter. J'ai tout ce qu'il faut. Dites-donc, il y a une ambiance de folie. Oh ben c'est complètement dingue, hein. Et il n'est qu'à peine plus de 10h30 du matin. Là, 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 là. C'est pour dire, lorsque vont être envoyés les plats tout à l'heure qui émailleront ce concours, c'est te dire. Et alors, on a l'impression que là, que les Français, mais pas du tout. Il y a des nations qui sont venues en nombre ici, des supporters de nombreux pays. Alors, on est reparti pour 5h35 d'épreuve. Je te vois en compagnie de Régis Marcon. Est-ce que Régis va bien? Oh oui, fort bien. Puis dans cette ambiance, Karine, il faut connaître bien. Bon, on n'a pas parlé du jury hier, un jury prestigieux quand même pour ces Bocuse d'Or, Vincent. Bah évidemment qu'on a. Il n'y a pas que le jury prestigieux, parce que effectivement, il y a 24 membres du jury qui sont là.
pour juger les plats, plus les présidents, donc on va dire l'élite de la haute cuisine internationale, mais c'est aussi dans le public et sur cet espace scénique que se succèdent tous nos grands chefs, les grands chefs français, les grands chefs européens, les grands chefs mondiaux qui viennent rendre visite, parce que plus qu'un concours exceptionnel, ce qu'on sait déjà, c'est aussi la vraie fête de la cuisine, ici au Bocuse d'Or. Oui, ici et jusqu'à notre Sierra TV, parce qu'alors on vous entend avec beaucoup de plaisir, hein, vous ne nous gênez pas du tout, continuez à faire du bruit. C'est Emmanuel Renaud que je vois derrière toi. Comment ? Excuse-moi. C'est Emmanuel Renaud que je vois derrière toi. Mais oui, il y a Manu qui est là, viens là Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Emmanuel Renaud, le président de la sélection française. Bonjour Karine. Tout va bien ? Bonjour à tous. Emmanuel, bon. Il est un petit peu en dedans, comme on dit là. Ah, ce oui, matin, il est impressionné par le travail du français, j'ai l'impression. Bon, ben, on se donne rendez-vous tout à l'heure. C'est quelle heure pour là ? Thibaut qui est en pleine forme. En pleine forme ? Il tourne bien. Exactement. Il est monté dans les tours, ça y est, tout va bien. Il est chaud le moteur. Bon, bah tant mieux. En tout cas, on souhaite bonne chance à l'ensemble des pays, évidemment, qui participent au Bocuse d'Or. On rappelle l'horaire pour ne pas louper la remise des prix, mon cher Vincent. Eh oui, la remise des prix, si tant est que les calculs des huissiers se fassent à la bonne vitesse, parce que ça est tous fait à la main, hein. Eh oui. Y a pas de machine, hein. C'est de l'artisanat. Vers 18h30, la remise des prix du Bocuse d'Or, et croyez-moi, ça va être ultra chaud. J'en suis sûre. On vous embrasse, passez une belle journée en tout cas, et surtout, faites bien la fête. Oh oui, c'est une belle fête, et on va pas bouder notre plaisir. Hein, ouais, non, on va en profiter jusqu'au bout. On sera à jeun, mais on sera bien. Très bien, à tout à l'heure. Merci en tout cas. Alors, vous... Regarde, on a l'impression qu'il danse en même temps qu'il cuisine, lui. Hein ? Oui, c'est un ballet. Alors, c'est ce que je voulais dire. Regardez, il travaille sous les yeux, on va dire, de deux pontes de la maison. Le nôtre, il y a Fabrice Prochasson, le coach. Hein. Et puis juste derrière, regarde, là aussi, c'est quelqu'un de très important dans cette grande maison. C'est Frédéric Anton qu'on salue, le chef du Précatelan à Paris. Salut Frédéric. J'ai l'impression que les Français, ils sont en train de perdre leur voix dans les coulisses là. Ah bah ça commence, hein. ils chauffent. Ils sont nombreux, ils sont venus. Bon, tous les supporters de Thibaut de toute façon, qui travaillent chez le nôtre en tout cas. Donc ça c'est super bien, c'est à la fois un homme, une équipe et vraiment des supporters qui sont là pour les aider, parce que c'est un concours aujourd'hui où ben, on est un petit peu dans les... comme dans un stade de foot, il y a les gradins, il y a le public, et ça encourage. Et à chaque fois que l'on parle du français, quand le français sort son plat ou un autre pays étranger, ben automatiquement les supporters sont là, font du bruit, et ça encourage et ça donne de la force, parce qu'il y en a besoin dans un concours qui est tellement millimétré, c'est tellement la perfection. À l'heure d'aujourd'hui, ils sont tous affûtés pour gagner, et donc il faut trouver et il faut faire la différence. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on voit rarement des cuisiniers issus de l'école traiteur arriver à ce niveau de cuisine qu'est la finale du Bocuse d'Or. Mais chez l'autre, ça a toujours été un peu le travail d'arriver à faire coïncider haute cuisine et le travail de traiteur. Ben de toute façon, si vous regardez chez le nôtre, il y a quand même 10 meilleurs ouvriers de France. Ça veut dire que les gens, de toute façon, sont de haute qualité, sont performants, sont affûtés justement pour les concours. Et à chaque fois, il y a énormément de gens qui les encouragent. Et comme 10 meilleurs ouvriers de France dans plusieurs métiers différents, automatiquement, on peut avoir à chaque fois le meilleur de la pâtisserie, de la cuisine. Et ainsi de suite. Et on ira tout à l'heure dire un mot à Guy Kretzer, le chef de la maison Le Nôtre que j'ai vu qui est là. Salut Guy, on s'en parlera un petit peu tout à l'heure. Régis, un petit commentaire. Oui, j'étais en train de montrer un endroit qu'on ne voit pas souvent dans les cuisines, c'est les poubelles. C'est la nouveauté de cette année, on demande aux candidats de faire le moins possible de gaspillage. Et on le voit dans chaque box, et là la France notamment, ils font le tri sélectif. Et depuis hier, c'est formidable parce qu'on voit très très peu de gaspillage. Voilà, nouveauté du concours cette année. Oui, et puis nous, de toute façon, s'il y a du gaspillage, on est là pour récupérer les chutes. Hein, oui, tout à fait. Hein, pour se faire une petite poêlée au moment du déjeuner. Allez, à tout de suite. Passons maintenant, pas de favoritisme. Ladies and gentlemen, let's take a look into kitchen number 8 for the UK. La cuisine numéro 8, Adam Bennett, Christian Curtis, le Royaume-Uni. With Adam Bennett and Christian Curtis. Et ils ont entonné le Rule Britannia, là-haut dans les
dans les gradins. Ah, ils sont en haut, mais ils coiffent bien le, ils coiffent bien la salle, hein, là où ils sont. You know, I thought I was going to be tired throughout the day from speaking, but I think these guys, with all of their horns, they're going to be exhausted throughout the day. You know what? If there's a lack of voice for us, we'll take a trumpet or a horn. So it looks like the Adam's working in the front of his kitchen right now, and he's preparing something for us for the fish dish. Fish dish is going to be the first dish that they're going to bring out today, and of course, it's going to be followed 35 minutes later by their meat dish. Des airs qui rappellent la belle période du ska, hein. Ah ben ils sont remontés les Anglais, c'est formidable. Ça fait plaisir de les voir et là aussi un travail de précision, hein, comme dans les autres box. Adam le prépare déjà depuis pas mal de temps. J'ai la chance de connaître ce candidat d'ailleurs. Et là il est en train de préparer son turbo, un turbo qui est farci à la mousse de homard. On le voit beaucoup d'ailleurs chez les candidats. Le homard a été utilisé comme farce. So the lobster that he was working with is going to go through the robo-coup to be pureed for a farce meat. C'est important de noter le nombre de lingettes et de petits morceaux de papier absorbant parce que on essuie en permanence, on nettoie. Il faut que le box soit impeccable au fur et à mesure de l'avancée des travaux. This is very important this year because they are being judged. There's a new kitchen jury that's coming around and making sure that they judge everybody on their cleanliness and, of course, their wastage. So it's brand new this year for the Bocuse d'Or 2013. C'est vraiment le Bocuse d'Or. On demande une organisation au millimètre, parce que 5 heures pour réaliser deux plats, c'est rapide, c'est sophistiqué, et chaque candidat fait preuve d'imagination. Pour le matériel, pour l'organisation, ça évolue chaque année. The more organized they are, or the chefs are, then it's easier for them to concentrate and to do whatever it is that they need to do for their work. Il faut noter également, Régis, que beaucoup de ces candidats, pratiquement la totalité, ont des timers, hein, des chronomètres qui correspondent à différentes phases de l'avancée des recettes. Oui, en même temps, les chronomètres, ça a toujours une certaine limite. On a remarqué des pays qui étaient un peu déstabilisés parce qu'il y avait presque trop de chronomètres. Ils n'avaient pas assez le nez sur les casseroles, un peu trop sur le chronomètre. Donc on voit que la technique, à un moment, elle a ses limites. En fait, le vrai chronomètre, c'est le coach, hein, qui ne quitte pas des yeux le chef. Oui. Là, le coach, c'est une réelle avancée dans ce concours. Et puis, tu l'as noté hier, c'est important de le dire, l'avancée, c'est vraiment la technique du matériel aussi. On le voit avec les fours convotherme, où on arrive à cuire au degré près. Et les inductions également, les plaques induction. Vraiment le matériel qui est nécessaire à exécuter 100% de recettes aussi compliquées. Voilà. Cette année, le four a été mis en face du candidat pour plus de commodité aussi. On va passer immédiatement dans le box suivant. Ladies and gentlemen, let's move on. We're going to be in front of kitchen at number 9 for USA. Le box numéro 9, l'équipe des États-Unis, Richard Rosedale et Corey Siegel. We have with us here from the U.S. Chef Richard Rosedale with Corey Siegel. So Team USA has brought with them these beautiful menus. Hey, Coach, can you show me some of those photos? So, Richard Rosedale has brought some inspiration with him, and this is the house that he got the inspiration for the meat or the fish dish? This is for the meat. For the meat dish, and this is a Frank Lloyd Wright house called Falling Water, and this is near where Richard grew up in Pennsylvania. For the fish, he's been inspired by the Appalachian Mountains, which is where he's working now. So we've worked on a plate that has that sort of inspiration and that flow. And the food will also be something that they go and they forage from there. A lot of mushrooms you'll see and things of that nature with his turbo dish. How come, Angela, you seem much more interested by the work of the United States? Well, you know, what's wonderful is that because I'm in the U.S., I'm living in New York now, so when I Google anything about the Bocuse d'Or online, the first information that comes up is from the U.S., and they've had great media exposure this year. So I've read all these articles about Team USA, and I got to
do the emceeing at the U.S. competition as well. So I saw Richard Cook then. Beautiful. We're going to be looking at some great stuff from Richard. Okay. Hiding the photos still, aren't you? The cameras are behind. Something else. I know that today you're working, Gavin, with American Casseroles, too. All Clad's is American brand. That's actually also near the Frank Lloyd Wright building, which inspired us for the beef as well. It's the same area, the same region. So we tried to focus a lot on that area of the United States for him. Richard grew up there, so it kind of all made sense. The stars aligned, and even in the food that he's going to prepare for the meet are things that he's calling a Yankee pot roast and things that he grew up with his mother. So it's there's a lot of inspiration. There's a lot of passion behind it, so he's excited. I'm sure. Thank you, Gavin. Voilà, le box numéro 9, et ils auront à cœur aussi de montrer. On parlait des timers tout à l'heure, ils sont là. Hein. Là, il n'y en a que 4. Hein. Il y en a que 4. Il y en a encore 5 dans 3 là-bas. On a vu 15 une fois. On a vu 15, c'était beaucoup. I saw in front of Denmark, they had 8 timers going. So you guys are at 7, just about comparable. Okay, thank you, US. Now, here we are, kitchen number 10 for Norway. Oui, le box numéro 10, l'équipe de Norvège, Ørjan Johansen et Julie Marie Ex-Jensen. Encore une jeune fille comme commis, ça nous plaît. Oui, candidat atypique, la Norvège, on sait qu'elle est toujours présente dans ce concours. Et notre ami Ørjan a gagné, bien sûr, la sélection Europe. Et là, il vient pour la gagne, comme tous les candidats ici. Ils sont toujours présents, les Norvégiens. Régis, les mauvaises langues ont dit que les Scandinaves étaient toujours présents sur les podiums du Bocuse parce qu'ils avaient peut-être une cuisine qui correspondait mieux à un goût générique, une cuisine peut-être plus facile à comprendre. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? On peut l'interpréter de différentes façons. Ce qui est sûr, c'est que dans les pays nordiques, ils avaient une page blanche à écrire au niveau de la cuisine. Et les Scandinaves cuisinent beaucoup, vont beaucoup à l'étranger, découvrir d'autres cultures, d'autres cuisines, et ils les ramènent chez eux. Je crois que ça fait partie de leur qualité. Et puis, le Bocuse, pour eux, c'est un événement national dans ces pays. Ils s'entraînent pour ça très dur, et ils montent des équipes très performantes. C'est ce qui explique un peu leur avance, quelquefois, dans ce concours. We're so happy to see those Nordic men always on the podiums on the Bocuse d'Or. Always, always. And I think that's why there's been some changes this year as well. So anything can happen. Last year was like a complete Scandinavian sweep. But then this year with the changes, with the new rules and regulations, it could be anyone's game. On va voir enfin ce que les Scandinaves peuvent proposer de local, de régional dans leur garniture. Beaucoup de produits de la mer en Norvège, qui est un produit entièrement tourné vers la pêche, bien entendu. Moi, c'est ça que je trouve fantastique, Vincent, pour ce Bocuse d'Or, c'est qu'en fait, tu as la cuisine, bien sûr, de tous les pays, mais chaque candidat amène sa propre âme, c'est qu'à le dire. Il nous montre, avant de nous montrer les recettes, il nous montre des paysages, il nous montre des montagnes, la mer, parce que ça les inspire. Et ça, c'est formidable, c'est riche, c'est très riche. Oh oui, c'est riche, et je vois Elin Elström qui écoute d'une oreille attentive ce qu'on est en train de dire. Il faut faire gaffe, il est grand, hein. Faut pas l'énerver, oui. Il a des grandes oreilles. Des grandes oreilles et des grands bras aussi. Merci. Passons au box suivant. Dans le box numéro 11, une nation dont nous sommes très heureux qu'elle ait accédé au travers des finales continentales à cette finale du Bocuse d'Or. Voici l'équipe de Hongrie avec Tamás Zell. Here we are in front of kitchen number 11 for Hungary. Regis, come and take a look at this. This is very interesting to see. You see the powder that's on the inside. C'est une mousse de champignons. Voilà. C'est une mousse de poisson parfumée à l'estragon. With tarragon. So it's a fish mousse that's been scented with tarragon. Avec, it's a mushroom powder, I think so. And it looks like it's a mushroom powder, is that correct? Coach, what is on the inside, the powder? Yeah. Oui, the mushroom powder. Donc vous avez le filet de turbo qui a été taillé en losange très finement, la poudre de champignon qui va s'humidifier, donner tout ce parfum de champignon. Là, c'est un mélange de cèpe. Et dessus, notre mousse parfumée à l'estragon. Et là, Ce sont des mini-terrines, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et là, ça sera vraiment intéressant de voir comment un four
style de combo thermes peut amener une justesse de cuisson. C'est très important. On ne pourrait pas faire ce genre de préparation dans un four tout à fait ordinaire. La Hongrie qui est pour la première fois en finale au Bocuse d'Or. Hein. On peut les encourager, les on Hongrois. On peut les encourager. Première fois. Très heureux d'avoir les Hongrois avec nous aujourd'hui, ici à Lyon. Première fois aujourd'hui en finale. Ah, puis j'ai vu qu'il doit y a un petit peu de goulash qui se prépare derrière. La tradition est là. Il faut avoir de la goulash. Hein. C'est quand même l'utilisation du bœuf primal en Hongrie. Tamás Zell, dont je vous disais le chef hongrois, aidé en son travail par Adam Garay, qui est son commis. Je t'arrête, Vincent, une minute, parce que depuis hier, on l'a vu tous les deux, tous les trois, hein, on est quand même surpris, non seulement de l'organisation, mais ça a toujours été au Bocuse d'Or, mais l'organisation, la propreté. On voit que le règlement joue son rôle. On demande aux candidats de faire bien, de faire bon, mais vraiment de le pratiquer au mieux avec son commis. Et ça, c'est vraiment une avancée. We have something really cute here. Rubik's cube. Yeah, from Hungary. They've brought with them a Rubik's cube, but we have here, it's the traditional dish of the Hungarian goulash. So that's the photo. We're going to be seeing some of that later. I can't do this c'est puzzle, sympa, so I'm going to leave it intact. Rubik's cube avec les photos des plats. Enfin, mesdames et messieurs, voici venir le bout de cet espace scénique. Ils seront les derniers candidats à envoyer l'ultime plat de viande de cette épreuve, l'ultime plat de viande de ce concours 2013 du Bocuse d'Or, sous le regard intéressé et je dirais très attentif de Romuald Fasnay, leur coach. Je vous demande d'applaudir l'équipe du Japon. Ladies and gentlemen, here we are in front of kitchen number 12 for Team Japan. Noriyuki Hamada et Masanori Sakashita au travail sur leur pièce de bœuf, on dirait un grand sandwich. Là, c'est Hamada est un candidat de Nagano, des montagnes japonaises. Il faut savoir que c'est la deuxième fois qu'il le présente. Il n'était pas là la dernière fois, il était là il y a 4 ans. So what he has très bel ouvrier, un très bon ouvrier. What he has here is the beef fillet, but what's very interesting is on the inside there is some wasabi fat as well as the nori leaves and nori wagyu fat as well as the nori leaves and a nori paste. It's very interesting. It's not like anything that any of the other teams that are doing. Alors, c'est intéressant de noter que le wagyu, ben c'est le bœuf en fait qui est à l'origine, c'est la race qui sert à faire le bœuf de Kobe, c'est-à-dire des bœufs qui sont beaucoup plus gras. Tu disais tout à l'heure, ce bœuf d'Irlande qui est magnifique et est assez maigre, eh bien les Japonais ont ramené du gras de bœuf de chez eux pour le regraisser en quelque sorte. Ouais, tout à fait, là je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris par ces équipes et notamment par le Japon. Nous qui voulons inscrire vraiment les pays dans ce Bocuse d'Or, la tradition, je crois qu'on va avoir des surprises parce qu'ils sont vraiment dans une combinaison, en même temps, je ne sais pas si le terme est juste, mais de produits japonais avec ces produits européens et they have on some y croit. Of the finest produce in the world. Everything that's done is very meticulous. I've been to a farm in Japan and the apples are all individually wrapped on the tree to make sure that they don't have any bruising. It's so beautiful. Everything is so done so fine. Alors les Japonais qui travaillent évidemment, je vous le disais, sous le regard de leur coach, comme le fait chacune des équipes ici, mais également sous le regard très attentif d'un amoureux du Japon, Eric Briffard, le chef du 5 à l'hôtel Georges V à Paris, qui est là avec nous. Salut Eric. Alors il connaît bien le Japon, il est d'ailleurs marié à une Japonaise. Donc à la maison, on mange un peu japonais. Complètement, c'est vrai que j'ai deux amours, la France bien sûr, mais le Japon également. Voilà. Donc mon cœur est un peu partagé ce soir. Allez, est-ce que c'est allez. Facile de concilier la cuisine occidentale et la cuisine japonaise? Toi je sais que tu aimes bien fouiller à la frontière des deux. Oui, je crois qu'on l'a tous fait, vous savez, le renouveau de la cuisine française, ça a quand même été un peu la cuisine japonaise, il faut quand même se l'avouer. Hein. Et est-ce qu'à la maison, madame cuisine un peu japonais? Ah oui, bien sûr, à tour de rôle, on cuisine et tous les dimanches soirs, on mange japonais. Tous les dimanches soirs, on mange japonais. Ben voilà, c'est comme ça, c'est bien, c'est bien. Il faut des traditions. Dans la cuisine, ça s'installe aussi comme ça. Donc des produits extrêmement intéressants, comme je vous le disais, du côté du Japon. Et c'est pour nous l'occasion de fermer ce banc
de la visite des box avec ce box numéro 12 qui est le dernier, je vous le dis, ce sera le dernier plan envoyé, ça sortira d'ici et à ce moment-là tout sera scellé. Bien, gardez-en sous la pédale les amis, parce que croyez-moi que la journée va être longue. Vous le savez peut-être, dans quelques dizaines de minutes commencera les dégustations, le temps pour nos équipes de préparer leurs plats. Et les dégustations donneront lieu évidemment à beaucoup de ferveur de la part du public qui est avec nous ici sur le hall Paul Bocuse ce matin pour cette deuxième journée d'épreuve qui voit s'affronter aujourd'hui des nations souvent sur les podiums. Je tiens à préciser, puisque nous sommes devant le box japonais, que le Japon a remporté la médaille d'argent de la Coupe du Monde de pâtisserie devant l'Italie, derrière la France qui a remporté cette Coupe du Monde de pâtisserie il y a deux jours sur ces mêmes espaces ici à Lyon au CIRA. So ladies and gentlemen, we have just visited our 12 kitchens that are competing here today for the finale for the Bocuse d'Or 14. So now we are going to be looking around in the kitchens. We're going to have the cameras going to show you more of what's going on. But you know, now that we've visited these 12 kitchens, some of the interesting information is that earlier this week, competing here in Hall Paul Bocuse, we also had the World Pastry Cup. Three of the nations that won for the World Pastry Cup are competing here today for day two of the Bocuse d'Or. On the podium in third place for bronze was Italy, and it was followed by Japan that was taking silver, and of course France won for the World Pastry Cup. Very beautiful work, very high level of competition, and now the competition has been growing here at the Bocuse d'Or too. It's wonderful to have new countries visiting us every year. Welcome, absolutely everyone. We look forward to seeing you a little later. There's also going to be the first fish plating of the day coming out at 1 p.m. sharp. Exactement, à 13h, vous aurez le premier plat de poisson qui partira du box danois. Un mot pour vous dire, vous le savez certainement, puisque vous êtes maintenant, pour la plupart d'entre vous, des habitués de ce concours. Autrement, vous comprendrez très rapidement le procédé. Ici, c'est un ring, un vrai ring de combat sur lequel se livre un combat sans merci les 12 nations venues aujourd'hui pour cette deuxième journée. Mais c'est aussi une réunion de famille. Et nous irons, Angela, Régis et moi, à la rencontre de ces chefs qui viennent du monde entier, qui viennent aussi du territoire de France et de Rhône-Alpes, bien entendu, pour visiter leurs amis venus à cette rencontre, cette grande réunion de famille. C'est aussi ça, cette fête de famille, une vraie fête. C'est ça que nous voulons vous faire vivre ici, sur l'espace Paul Bocuse, pour cette deuxième journée du Bocuse d'Or. Régis, toi, je sais que tu as ton petit carnet de notes, très important, parce que là-dedans, c'est une... Si les coachs pouvaient te piquer ton carnet, je pense qu'ils en apprendraient presque un peu plus sur leur cuisine. Ah oui, moi, je crois que c'est important, parce qu'il y a tellement de techniques sur ce concours qu'en fait, on ne les voit pas toujours, d'une part. Et c'est un peu comme dans la course automobile. Je pense qu'on avance, ces techniques avancent, que ce soit dans l'organisation, que ce soit sur la finesse, sur les garnitures. Et on est en train d'avoir un petit peu ce dictionnaire que je garde précieusement, qui relate de tous ces Bocuse d'Or et de ses avancées techniques. On les garde bien au chaud. Tiens, montre-nous un truc, Régis, que j'adore, le thermoplongeur qui est là. Pardon ? Alors, le thermoplongeur... Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un appareil qu'on a vu apparaître maintenant, ça fait bien une bonne douzaine d'années. C'est une eau, en fait, qui est brassée pour toujours avoir la même température quand on met le produit à l'intérieur. Et on sait très bien que l'eau, c'est une énergie beaucoup plus rapide et importante. Oui, ça transmet la chaleur d'une façon impeccable. Voilà, c'est très régulier, hein. C'est soit l'eau froide, soit l'eau chaude. Et là, je ne sais pas combien il est, on va regarder. Il est à 64 degrés. 9, presque 65, 65 quoi. Oui, ça ne va pas bouger, 65. Ce sont ces cuissons à basse température en poche que l'on favorise là-dedans. Là, on est complètement dans la basse température. Ce n'est pas la moyenne basse, c'est la basse température. Très certainement, le candidat va utiliser cet appareil pour le poisson, pas pour la viande. Ou pour le homard, éventuellement. Pour le homard, éventuellement. Pourquoi pas 80? 80, c'est déjà un peu haut. On peut avoir un poisson un peu plus sec, un peu plus cuit. Tandis que là, tout doucement, 65, c'est pratiquement un peu au-dessus de la pasteurisation. Et il va amener son poisson. Nous, dans les essais qu'on a pu faire avec le turbo d'élevage, c'est du 52-53 degrés. Et là, vous avez réellement un poisson qui est nacré, qui a une cuisson à cœur qui est formidable.
et on peut l'obtenir qu'avec le thermoplongeur. Régis, moi je suis toujours obsédé de ceux qui nous regardent, de nos amis qui sont des amateurs, des ménagères, qui voudraient reproduire ça. Alors évidemment, le thermoplongeur, c'est un matériel très coûteux. On peut simplement cuire chez soi. Si on n'a ni sous-videuse, ni thermoplongeur, on peut rouler dans du film plastique et cuire à eau frémissante. Tout à fait, hein, ça peut très bien se faire. De même que vous mettez le poisson, on peut très bien le mettre dans un four ordinaire, lui mettre un petit peu d'eau, le recouvrir d'un papier film, et vous obtenez pas le même résultat. C'est pas possible, mais vous avez déjà une cuisson qui est formidable. Bien, merci. En même temps, tu sais, Vincent, c'est ce que j'essaye de faire dans mes cuisines. On a un peu toutes les techniques. Il serait dommage de cantonner à ces hautes techniques et après de ne plus savoir faire. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de thermoplongeur, vous devez pouvoir savoir cuisiner. Oui, faut pas s'enfermer dans les techniques. On l'a senti dans le box numéro 1. Je te disais, ça sentait le beurre noisette à la poêle, oui, avec le turbo, cette odeur de poisson plat comme la sole meunière. Vraiment cette odeur de beurre et de poisson. Et on se dit, voilà, ça peut être poêlé aussi et merveilleux. Voilà. En même temps, on peut comprendre que ces techniques soient là parce que les pays viennent pour la gagne, on est là pour gagner, on travaille à la seconde près et on travaille au degré près. Donc c'est indissociable. On cherche de perfection, quoi. Tout à fait. Merci Régis. On va se diriger ensemble vers le centre de la scène. Une scène qui est extrêmement encombrée, on le comprend bien, car ici, tous les amis, les partenaires, les chefs, les membres du comité, les présidents des délégations qui seront tout à l'heure les jurys, le jury de dégustation, tout le monde est en train d'essayer de glaner des informations, parce que c'est important de voir travailler, hein, pour essayer de commencer à faire des pronostics, Régis. Ah oui, en parlant de pronostics, j'invite ceux qui sont sur l'espace des chefs à aller les faire leurs pronostics. Il y a un petit stand de la Cité de la Gastronomie, vous avez quelques dépliants, vous pouvez faire des pronostics sur le Bocuse d'Or. Eh oui, les pronostics, est-ce qu'il y a gros à gagner? Oui, il y a des repas dans les restaurants en Rhône-Alpes, alors comme les restaurants en Rhône-Alpes sont super, je pense que ça vaut le coup. Hein. Tiens, quand on parle de Rhône-Alpes, regarde qui c'est qui arrive, c'est Mercotte, notre ami Mercotte qui vient bloguer. Bonjour Mercotte, ça va? On parle des restos de Rhône-Alpes, c'est vrai qu'il y a la chance en Rhône-Alpes d'avoir un nombre de restos de haute gastronomie et même des bons bistrots absolument fantastiques, hein, une concentration incroyable. Absolument, absolument. Tu sais que dans les deux départements des Savoies, on a plus de 40 étoiles. 40 étoiles? Oui, carrément, plus de 40 étoiles. Donc on a Manu, bien sûr, et puis beaucoup d'autres qui sont tous attachés à leur terroir, aux produits du coin, ils sont locavores et ils nous régalent. Et puis on a les étoiles les plus hautes d'Europe avec Jean Sulpice, hein, à Val Thorens. Absolument, on a notre Jean Sulpice, c'est mon chouchou. On le sait, hein, de notre côté. Hein. On avait deviné. À Val Thorens, c'est magnifique, quoi. C'est une cuisine du cœur. Mais enfin, ils sont tous talentueux. Et puis Régis, c'est pas très loin non plus. Hein. Régis, tu n'es pas très loin. Ah ben, nous, le restaurant, il donne sur Rhône-Alpes, pas sur l'Ardèche. Il a une très haute cuisine, mais dans une montagne qui est un peu basse, si tu veux. Ah non, mais qui est très enneigée quand même. C'est sûr. On a vu d'ailleurs notre ami Michel Rochdy, qui est là-bas, là aussi un étoilé des montagnes, hein, Courchevel. Manu Renaud, le président de la délégation française, avec ses trois étoiles à Megève. Non, on a en montagne vraiment une restauration exceptionnelle et des beaux produits. Absolument, des excellents produits à découvrir. Merci Mercotte. Vincent, il faut reconnaître que la région Rhône-Alpes, c'est très riche en bons restaurants, en bistrots et toutes les restaurations. Et c'est vrai que... Allez, on va. C'est vrai que Ronald mériterait bien une petite cité internationale de la gastronomie. Oh là là, oh là là, il en est question ici, hein, ça fait du buzz. Oui, puis je crois que... D'ailleurs, on a eu des sondages dans les journaux qui le démontrent bien, le public est en notre faveur. Hein. Il faut lutter pour que la cité de la gastronomie revienne à Lyon. Je crois que c'est important, ça semble tellement naturel qu'on l'a presque oublié. Oui, bon, il y a tout le travail, surtout c'est un travail de transmission, parce qu'on le vit avec le Bocuse d'Or. Tous ces candidats et tous ceux qui vont gagner et tous nos chefs qui sont là, leur envie après c'est de transmettre, parce qu'on ne garde pas les bonnes choses avec soi. Hein, la cuisine c'est le cœur, hein, et donc c'est l'amour. C'est l'amour, hein, et on transmet. Voilà, c'est le but de cette cité. Et on le dit avec d'autant plus de facilité, toi et moi, que nous ne sommes ni toi ni moi lyonnais.
Tout à fait. Hein, juste tout de cœur, pas d'origine. Voilà. Voilà. On a enfin plus d'estomac d'ailleurs que de cœur, j'ai envie de dire. Moi, je me sens plus lyonnais du côté de l'estomac encore que du cœur. On est à côté de deux mofs superbes. Regardez ça, comme ils sont beaux, ils sont élancés, ils sont sveltes. Et on voit bien, on voit qu'ils sont bien nourris, mais avec les bonnes choses, hein, parce qu'ils sont, voilà, ils prennent pas de poids. Guy Krenzer de la maison Le Nôtre, viens là, Guy, viens. Attends, bah, on se rapproche. Guy Krenzer qui est venu soutenir son candidat Thibaut Ruggieri. C'est pas mal ici ce qui se passe, Guy. Bah, c'est juste extraordinaire, on a un public magnifique. Et comme le disait Régis tout à l'heure, il y a un savoir-faire, une transmission et un patrimoine fabuleux. Donc on est à fond. Tu étais déjà là pour la World Catering Cup samedi, comment ça s'est passé? Bah, super, il y a un vice-champion du monde donc, de la Catering Cup, Gilles Grasteau. Voilà, il est dans les tribunes avec la France, il soutient tous les métiers de bouche, c'est une belle réunion. Ah, ça fait plaisir. La France a également gagné la Coupe du Monde de pâtisserie. On est dans un bon trend, on va dire, hein, sur un bon esprit français là, cette année. Bah, c'est tout ce savoir-faire qui est transmis, on a ce qu'on appelle l'héritage, et c'est juste beau à voir. Juste beau à voir. Il y a aussi Christophe Baquier qui est là. Viens là, Christophe. Voilà. En rêve qui pour est monté deux, hein. Du Castelet. Un très grand chef également du Sud. Hein. Enfin, t'es devenu un homme du Sud maintenant. Oui, je suis toujours un homme du Sud. Je suis toujours un homme du Sud, dit-il. Alors, Christophe, c'est vraiment, on disait, une fête de la haute cuisine ici. Aussi par la présence de tous ces chefs qui viennent du territoire pour être là. Simplement pour être là, quoi. Pour être là au milieu des copains. Une rencontre internationale et incroyable. Et puis je trouve que c'est des moments de magie, on en a des frissons, de voir tous ces gens travailler, quand on voit l'énergie qui est mise en œuvre tous les jours. Et puis bah, de croiser tous ces grands chefs, pour nous, c'est toujours formidable. Et ce public, incroyable. Une question mystère. Est-ce que tu as l'impression, parce que je me posais la question ce matin, quand je vous voyais tous là, tous ces chefs des grandes maisons en train de regarder, est-ce qu'il y a un mercato qui s'organise? Est-ce qu'on repère à l'étranger les gars vraiment doués en se disant, tiens, je le prendrais bien comme second celui-là, tiens, est-ce qu'il y a un mercato des chefs? Je ne sais pas s'il y a un mercato des chefs, mais je crois que si tous ces chefs sont là, c'est que forcément, il y a beaucoup de talent, donc on rêve tous d'avoir des jeunes comme ça dans nos brigades, et on en a déjà des très bons. Et même les commis, hein. Les commis sont extrêmement forts. Très bien. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais on rêve tous, forcément. Mais là, il y a une équipe internationale formidable. On pourrait faire certainement la plus grande équipe du monde pour un dîner formidable aussi. On se croirait dans les stands aux 24 heures du Mans. Hein. Une écurie de course hein, à chaque fois. Plutôt au circuit du Castelet. Au circuit du Castelet, très bonne idée, effectivement. On vous y donne rendez-vous, d'ailleurs. Hein. Tout à fait, ça serait bien. Ouais. Merci, Christophe. À tout à l'heure, messieurs. Oui, c'est ça aussi, le Bocuse d'Or, vous le savez, c'est ce grand rendez-vous, quoi. Ce grand rendez-vous des meilleurs professionnels, que ce soit de la haute cuisine, de la haute pâtisserie, on l'a vu, des traiteurs, comme Guy Krenzer, parce que hein, quand on est traiteur, on est cuisinier, hein, surtout à partir d'un niveau. Oui, tout à fait. Nous étions tous les deux hier soir à la soirée Académie, et moi, ce qui m'a étonné, c'est toutes ces... tous ces invités qui venaient un peu du monde entier. Et chaque fois, quand on parlait à la fois du concours, on me disait, mais pour nous, c'est le rendez-vous incontournable. Tous les deux ans, nous sommes là. Et on se dit à chaque fois, on vient au CIRA. Allez, bientôt au CIRA. C'est des rendez-vous incontournables des professionnels. Et de plus en plus, les professionnels viennent voir ici des tendances. Mais en même temps, il faut parler de toute une famille. Il n'y a pas que les cuisiniers, bien entendu, mais tous les métiers de bouche. Il y a le travail fabuleux qui a été fait pour la boulangerie, la pâtisserie avec la Coupe du Monde, bien entendu, et des métiers dont on parle souvent pas assez, les poissonniers, les écaillers. Il y a aussi un concours de fromager, et on a vu avant-hier avec le marché, bien sûr, pour les candidats, on a vu notre ami Joël, meilleur ouvrier de France, fruitier, qui est un meilleur ouvrier de France, qui date maintenant depuis 2 ans, de mettre à l'honneur tous les fruits. Voilà, c'est ça le Bocuse d'Or. C'est ça le CIRA, c'est un rassemblement où les gens ont envie de se rencontrer, d'échanger, parce que nous sommes dans des métiers de passion et on a tous envie d'échanger à ce moment-là parce qu'on sait qu'on va se retrouver autour de cette fête. Alors Régis, on me signale qu'il y a eu un petit incident voilà, pendant que nous étions en train de commenter. Le coach estonien a eu un malaise, il a fait... une petite crise d'épilepsie, c'est ça aussi le stress, hein, lorsque ça monte ici, et on le comprend avec cette tension. Sachez qu'il a été évacué par les services de sécurité et les pompiers, et qu'il va bien, et qu'il retrouvera sa place tout à l'heure
sur cet espace scénique. Mais tout va bien, les pompiers s'en sont occupés. Voilà, c'est pour vous le dire. Et je voulais rassurer les supporters estoniens, le coach va bien et il reviendra tout à l'heure. So everything's fine, everything will continue on today. We're still going to have a wonderful competition here at the Bocuse d'Or. Everything's fine. Voilà, regardez, tout le monde s'est calmé, du coup ça a jeté une petite fraîcheur là sur la salle, ça les a calmés, c'est bien, parce que tout à l'heure il faudra qu'ils en aient encore en réserve pour ce qui va suivre hein, dans les épreuves. C'est là qu'on voit que la responsabilité du coach est importante, hein. C'est lui qui guide au niveau du temps, des réflexes, surtout les techniques à pas oublier, parce que le candidat, eh ben, on déroule, comme on dit, hein, c'est un petit peu comme une leçon apprise par cœur, point par point, puis à un moment, il y a peut-être un grain de sable, et le coach est là pour regarder, pour guider au mieux le candidat. Et je dirais que le coach, il est presque... Moi, je pense qu'il n'est pas presque, il est plus stressé que le candidat, ce qui peut expliquer ce malheureux malaise. Comme l'entraîneur au football, hein, parce qu'il sait qu'il ne peut pas intervenir directement, il voudrait mettre les mains dedans, parfois, le coach. Je sais que beaucoup de personnes m'ont regardé quand j'entraînais un de mes anciens chefs... Serge Vira qui a gagné le Bocuse d'Or, et il me disait, mais t'as vu dans quel état tu étais, mais t'étais à 100 à l'heure, quoi. Mais c'est vrai qu'on est, on est dedans parce qu'on a envie de le guider au mieux. Et puis c'est comme je dis, les coachs sont souvent d'anciens sportifs et ils remémorent évidemment leurs exploits, et de savoir qu'ils ne peuvent pas intervenir directement quand ils voient le geste qui n'est pas exactement celui qu'ils voudraient, ça rend dingue, hein. Tout à fait. Ah, c'est ça la magie du Bocuse d'Or. Hein. Est-ce que quelque chose a changé dans la façon dont les coachs sont en liaison avec leur équipe depuis quelques années? Oui, alors ça fait, je crois, le souvenir, ça doit faire la 3e édition où les coachs sont présents. On voit beaucoup plus de matériel électronique maintenant sur les, tout simplement parce que c'est plus pratique. Et j'ai remarqué des petites astuces, notamment beaucoup de coachs travaillent pas avec la feuille pleine, mais quart d'heure par quart d'heure, pour être encore plus précis dans les détails. Ils font un conducteur du concours, exactement conducteur, comme on le ferait pour une émission. Voilà. Mais ça peut avoir ses dangers aussi, parce que bon... Ah oui, parce que dès qu'on dépasse, on peut stresser en se disant, j'ai perdu 5-6 minutes, où est-ce que je vais les rattraper? On stresse peut-être l'équipe. Tout à fait. Et on le voit aussi, il y a une relation beaucoup plus étroite entre les coachs et les candidats. Je l'ai vu sur 2 ou 3 pays, par exemple, où un coach parle... vraiment très faiblement, et le candidat, voire le commis, répond instantanément, mais on voit qu'il y a des leçons apprises, et ça, c'est ce qui s'explique, c'est un gros travail vidéo, beaucoup de vidéos pour préparer ces candidats. On a vu les Norvégiens qui sont en train de se faire, excuse-moi, c'était une image absolument extraordinaire, des Norvégiens en train de se faire maquiller, regarde, pour devenir un drapeau vivant. Voilà, tandis que... They didn't have time to do it this morning. Neither did I. Du côté des Italiens, ce sont les chapeaux. Ils ont des chapeaux de forme aux couleurs du drapeau, des 3 couleurs, le drapeau tricolore. So Italy's got on their tocs that have been painted like the flag. Yesterday we had some corn tocs as well. Et hier, oui, vous avez raison, Angela. Hier, ce sont les candidats du Guatemala, les Guatémaltèques, qui avaient des toques en forme d'épis de maïs, hein, qui par là parlaient de leurs origines et des produits qui émaillent ce beau pays, petit mais extrêmement riche sur le plan de la diversité biologique. Hein. Tout à fait. C'est ça qui est la magie un petit peu de ce Bocuse d'Or, c'est bien sûr les supporters. C'est important pour un pays, c'est important pour les candidats, et puis on est toujours étonné de voir certains pays qui sont assez éloigné de la France d'être aussi nombreux. On parle souvent de la Norvège où ils viennent presque à plus de 200 supporters. C'est quand même quelque chose. Et regarde les Hongrois pour une première édition. Hein, ils sont tous là, hein, avec leur chapeau tricolore. Fait plaisir de les voir. Ça fait plaisir de voir tout le monde, en fait. Tout le monde a sorti les couleurs. Regarde les Anglais, les Britanniques, ils sont là, nombreux avec leur Union Jacks. Les Suisses avec leur belle croix blanche. Team les USA. Sri Lankais également, les Danois. Les Estoniens qui sont là derrière. Les Norvégiens. Les Américains.
les Japonais. D'ailleurs, regardez, il suffit d'appuyer sur le bouton, il se réveille. You know what's amazing? I think for the first time ever, we can almost hear the UK over France. UK's really brought out some noise this year. Et les Australiens qu'on a vu aussi devant. I think the most subdued bunch in the room is USA. What's going on, guys? Formidable, quelle ambiance ici sur le hall Paul Bocuse. Quelle ambiance sur cet espace des chefs, sur cet espace concours. Et ne croyez pas que cela va se calmer au cours de la journée. Pas du tout. Au contraire, plus on va avancer vers la fin du concours, plus les trompettes britanniques entonneront le Rule Britannia et plus nous aurons une ambiance de feu ici.